Notre sœur Yaspooky subit une malédiction après avoir regardé la série Mercredi Addams. Ça suffit! Moi, c'est Mercredi Addams et je fais partie de la famille Addams. Il va bien falloir que ça rentre dans votre petite tête, ça, hein! Hey yo tout le monde la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de l'année. Eh ouais, bonne année à tous les gars et bonne santé à vous tous la famille. Pour ma part, ma petite résolution de cette année, c'est de vous faire encore beaucoup plus de vidéos. Eh ouais. Et toi Sim Spooky, c'est quoi ta nouvelle résolution toi? Eh bien moi pour ma part, ça serait de me mettre au sport quoi, Robtek, hein. Ouais, pour être beaucoup plus musclé. Ah ouais, très 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 bonne résolution tout ça. En tout cas pour votre part la famille, je pense que la meilleure résolution que vous pouvez faire cette année, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Ces derniers jours, des faits très étranges se sont passés ici même à la maison. Notre sœur Yaspooky subit une malédiction après avoir regardé la série Mercredi Addams. Elle est devenue complètement folle et son comportement est devenu très 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 étrange. Eh ben ouais, c'est vrai, je peux en témoigner. À chaque fois qu'elle regarde cette série, elle se transforme complètement en Mercredi Addams. Et oui, elle est touchée par ce phénomène complètement inexplicable. En tout cas, pour aujourd'hui, on a clairement décidé d'agir. Et là, j'ai sorti les grands moyens parce que j'ai clairement confectionné de mes propres mains la poupée vaudou de Mercredi. Et oui, regardez-moi ça les gars, c'est la poupée vaudou Mercredi. Cette poupée vaudou va clairement nous permettre de garder contrôle sur la situation et ça va pouvoir probablement régler tous nos problèmes là, hein. Et puis je tiens à te rappeler que pour faire l'usage de la poupée vaudou, il faudrait essayer de récupérer un peu d'ADN de Mercredi pour ensuite en déposer sur la poupée vaudou pour que tout cela fonctionne, Robtek, hein. Eh ouais, tu fais bien de le rappeler Sim Spooky. En tout cas là je pense que attends, elle est là, attends, attends, elle est là, regarde, elle est là la chelou là. Attends, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh oh, il lui arrive quoi là? Ouais non mais vous voyez ça les gars, elle est complètement perturbée. Et ça dure comme ça depuis déjà 3-4 jours, c'est insupportable. Bon, avant de commencer à faire usage de la manière forte, vaut mieux quand même essayer de la raisonner d'abord. Et bien le truc en fait là, c'est qu'il faudrait qu'elle arrête complètement de regarder cette série, hein. Et oui, on croise les doigts, donnez-nous un maximum de soutien dans les commentaires, dans les likes. Et puis abonnez-vous, bien faire Sim Spooky, dépêche, dépêche. Yaya, Ya Spooky. Hey oh, Ya Spooky. Bon vas-y, j'ouvre la porte et on verra, hein. Regarde. Oh, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est encore sur son ordinateur. Bon bah là, y a aucun doute pour moi. Elle est encore sur sa série Mercredi Addams, hein. Faut qu'on lui en empêche, ok? Allez, viens. Hey oh, y a Spooky. Hey oh, y a Spooky. Hey, y a Spooky. Allez là, ça suffit, arrête ton jeu là, s'il te plaît. Allez, y a Spooky, redeviens normal. Allez là, arrête ton jeu, c'est bon. Y a Spooky. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais, wow, mais quoi? Mais oh là là là. Eh hey, mais elle est pas sérieuse, non mais là c'est vraiment insupportable, hein. On peut plus l'arrêter, hein, ça y est. Eh hey, non mais ouais, mais non mais Yaspooky, je t'en supplie, redeviens normal, reviens parmi nous. Mais quoi, mais... Oh non. Tu sais quoi, je vais essayer de tenter quelque chose, je vais l'appeler Mercredi, on va voir ce qui va se passer. Vas-y, hein. Eh hey, oh. Eh, hey, Mercredi. Eh bien tu vois, elle est complètement possédée par la série Mercredi quoi. Non mais ça peut pas se passer comme ça. Je vais quand même réessayer de la raisonner. Allez, on croise les doigts les gars. Eh, viens. Eh, Yaspooky. Eh, tu t'appelles pas Mercredi, tu t'appelles Yaspooky, ok? Reviens normal, je t'en supplie. Ça suffit, moi c'est Mercredi Addams et je fais partie de la famille Addams. Il va bien falloir que ça rentre dans votre petite tête, ça, hein. Vous avez du mal là-haut, hein. Ça tombe pas rond dans le ciboulot, hein. Aïe, ça va être difficile là, hein. Oh, ouais, attends, qu'est-ce qui lui arrive là? Attends, mais regarde, regarde, il y a un problème là, non? Regarde. Oh ouais, elle saigne du nez. Elle saigne du nez, les gars. Oh. Elle va où là? Elle est partie à la salle de bain. Elle est partie à la salle de bain, je crois. Et ça commence comme ça et après ça ne fait qu'empirer. Je le sens pas du tout là. Et tu sais quoi, laisse-moi faire, je vais essayer de jeter un œil. Okay. Vas-y, regarde. Discrète, ose. Salle de bain là, hein. Ouais, regarde là. Oh là là là, allez vénère. Ouais, je veux pas qu'on réessaye à ouvrir la porte. Vas-y. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben là, je crois bien qu'on va pas avoir le choix. Et oui, on va bel et bien devoir faire l'utilisation de la poupée vaudou. Et je sais pas si t'as remarqué toi Sim Spooky, mais elle s'est frottée le nez et elle a directement touché la poignée. Ben regarde la poignée. Eh ouais,
et ensanglantée. Et là, pour le coup, c'est idéal. Eh oui, laisse-moi récupérer un peu d'ADN. Eh ouais, bah oui, les gars. Regarde, regarde. On va frotter la poupée. Voilà, et là, on... Oh, regardez, ça y est. Là, je pense que ça suffira amplement, les gars. On va bel et bien pouvoir faire l'utilisation de la poupée vaudou. Ah, vas-y, vas-y, donne, 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 fais voir. Oh là là. Donc là, ça veut dire que la poupée vaudou est fonctionnelle. Eh bah ouais, c'est spooky. Bon, vaut mieux d'abord l'essayer parce que ça reste de l'artisanat. Donc, vaut mieux quand même s'assurer que ça fonctionne vraiment. Tu vois ce que je veux dire ou pas déjà, hein? J'entends bien parler de poupée vaudou. Non, 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 du tout. Si. Quoi? Bah continue ce que t'étais en train de dire. Mais j'ai rien dit, on a rien fait. Mais t'es d'accord, c'est spooky? On a rien, rien, rien. Non, on a rien fait du tout, hein. En tout cas, moi ça m'intéresse tout ce qui est spiritualité démoniaque. Et d'ailleurs, je l'ai vu, donne-moi ça. De quoi? De quoi? Mais non, mais j'ai rien, moi. Aïe, aïe, mon bras. Aïe, ah, la poupée. Tiens, 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 tiens. Aïe. Intéressant. Mais tu fais quoi là? Redonne-moi ça. Non mais donne-moi ça. Merci. Ça va pas ou quoi? Non mais c'est pas possible. Elle nous a carrément pris la poupée vaudou. On fait comment là? Oh là 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 là, mais les problèmes commencent hein. C'est vraiment le pire scénario qui pourrait nous arriver là. Comment on va faire du coup pour la récupérer? Bon écoute, je crois que j'ai une idée, je sais pas si ça va fonctionner. Je sais que le jeu favori de mercredi, c'est l'escrime. Et on pourrait probablement lui proposer une partie d'escrime. Et si je viens à gagner la partie, eh bien elle nous rend la poupée. Ok? Bonne idée ou pas? Voilà! Toi, jouer à l'escrime? Non mais non non non, toi t'es trop une quiche à ça hein. Vaut mieux pas que t'essayes. Et d'ailleurs, elle c'est son dada hein, elle va te ratatiner hein. T'es pas prêt? Ouais, je sais, ça va être compliqué. Mais vaut mieux essayer que de rien faire. Viens, 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 viens. Allez, c'est parti, suis-moi, suis-moi. Mercredi? Mercredi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Écoute, je te propose un deal, ok? Tu m'écoutes? Je sais que toi tu prends beaucoup plaisir avec une épée dans la main. Et tu sais quoi? Moi par rapport à ça, je te propose un duel à l'escrime. Hein? Qu'est-ce t'en dis? Vas-y, je t'écoute, hein? Bah j'espère que t'es prêt à perdre en tout cas. Quoi? Ah ouais? Ça c'est ce que tu crois, hein? Mais bon, écoute-moi bien maintenant. Si je viens à gagner, j'ai bien le droit de récupérer la poupée vaudou. C'est bien d'accord, hein? Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? T'es toujours prête ou pas, hein? Bien sûr que je suis prête, mais j'espère que t'es bien prêt à perdre. Bon, tiens, vas-y, vu que j'ai pas d'épée, et bah je te propose de faire ça avec un parapluie, c'est pareil. Au parapluie? Ok, ouais, c'est vrai que c'est pareil, hein? Ah, hey, je suis prêt à l'affronter, hein? Allez, c'est parti. Hey, tu sais faire ça, toi? Regarde, hein? Hey, tu sais faire ça ou pas, toi? Hein? Et bien sûr que tu sais le faire, un jeu d'enfant. Allez, assez rigolé maintenant. C'est parti. Approche, approche, hein. Allez. Aide-moi. Prends le relais des Sims Spooky, prends le relais, vas-y. Tu vas voir de quel poids je me chauffe moi, ok? Allez, 3, 2, 1, let's go. Vas-y, Sims Spooky, allez. Vas-y. Super mal. Je vous ai ratatiné. Franchement, un jeu d'enfant. Allez, dégagez d'ici. Oh, calme, calme. Oh, je peux pas accepter la défaite comme ça. Attends, viens, 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 viens. Quoi? Regarde, il y a la vaudou juste là sur la table. Ouais. Allez. On s'en va, je l'ai. Vite, cours. Dépêche. Viens, on descend, on s'allonge. Wow. Eh ouais, là on a bien fait de récupérer la vaudou. C'est vraiment très 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 important. Ça nous permet clairement de pouvoir garder le contrôle sur la situation, quoi. Et... attends, c'est Spooky. Elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Vous êtes vraiment des mauvais joueurs. Ça va pas se passer comme prévu. Vous allez voir, je vais employer la manière forte. Et là, on va jouer un de mes jeux favoris. Le lancer de couteau. Calme avec tes couteaux, éloigne-toi, fais attention parce que nous, on possède ta vaudou, hein. Alors fais-moi la maline, hein, ok. Faites attention à vous, ça peut aller très vite. Ah ouais, ah bah nous aussi avec la vaudou, ça peut aller très vite. Tiens, regarde, prends-toi ça. Crac. Mon bras. Alors, c'est bon, on va se calmer. Ça, c'était juste un avertissement, ok? Ça peut pas se passer comme ça, et ça peut pas se finir comme ça. Vous allez voir, vous allez me le payer. Je vais déjouer tous vos plans. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fout là? Ridicule, attends, regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va?
peux faire usage de ta poupée, ça fonctionnera plus du tout. Ah ouais? T'es sûr de ça? Je crois que ça t'a pas suffi en fait. Attends, cette fois-ci, ça sera en plein dans la tête. Bah, prends ça. Regarde. T'as vu, ça fonctionne plus du tout, hein. J'ai fait appel à mon esprit démoniaque pour déjouer toutes tes attaques vaudou. Ah ouais, non mais comment c'est possible ça? Mais ouais, ça fonctionne plus, attends, je vais réessayer. Ah, prends ça, hein. T'as vu? Ça fonctionne plus! J'ai tout désactivé! Ça craint ça! Hey, Sim Spooky, on fait quoi? On fait comment là? Non mais c'est pas possible, ça peut pas foirer comme ça! Allez, s'il te plaît, faut que ça fonctionne! Attends, je vais retester quelque chose! Vas-y, essaye! T'es prêt? Hé, inutile! Ça ne fonctionnera plus! Et maintenant c'est le moment de jouer au lancer de couteau! Non! Ça y est, laisse tomber, c'est foutu! Allez, on laisse tomber la vaudou et on s'en va de cette maison! Vite! Allez, dépêche! Là, vas-y! Bah, c'est pas grave, on a rien à perdre, on y va quand même! Vas-y! Échappe, on s'échappe! Viens! Ouais, Sim Spooky, viens par ici, viens! Les gars, on a dévalé toute la rue. Eh ouais, j'ai eu une peur bleue. Eh, ça part trop loin, ça part beaucoup trop loin là. Bah ouais. Mais ouais, on s'est caché derrière une simple voiture. Et puis ouais. Attends, je t'ai pas dit. Quoi? Regarde ce que j'ai trouvé tout à l'heure quand j'étais au salon. Mais c'est quoi? Attends, mais c'est la main de mercredi, Robtek. Mais quoi? Mais c'est, oui. C'est la main de mercredi, ça. Mais ouais, mais regardez ça, c'est la main de mercredi. Attends, mais c'est un truc de ouf, ça. Oh, attends, elle a bougé. Je te jure, elle a bougé. C'est chelou ça. Eh ouais, non mais toi t'es fou. Non, c'était pas une bonne idée ça. Attends, elle bouge. Regarde. Elle bouge. Gros, attends. C'est bizarre ça. C'est trop bizarre. Non, gros. Là, regarde. Là. Oh. Mais rendez-moi ma main. Quoi? Rendez-moi ma main. Mais non, mais quoi? Mais attends, recule. Regarde. Rendez-moi ma main. Recule. Attends, viens. On va se cacher derrière la voiture. Là. Non, mais c'était pas une bonne idée, ça, Sim Spooky. Non, mais franchement, tu déconnes. Regarde. Allez, tiens par là. Ne t'inquiète pas, je te ferai aucun mal. Maintenant, on sera liés à jamais. Allez, on s'en va d'ici. Oh. Non, mais attends, mais t'as vu ça? Non, mais c'est une dinguerie. J'y comprends rien, les gars. Dites-moi en commentaire, c'est quoi le délire avec la main, là? Mais ouais, étrange cette main, quand même. Et ça fait flipper. Et puis, à un moment donné, elle a bougé, quoi. Ouais, c'est vraiment chelou. Ouais, c'est une dinguerie. Non, mais franchement, les gars, c'est une dinguerie. Et bien, comme je viens de vous le dire, je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires et essayer de m'expliquer un petit peu c'est quoi le délire avec la main. Parce que là, ça n'a fait qu'empirer, les gars. Bon, en tout cas, j'espère quand même que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas également à bien vous abonner à la chaîne YouTube. Puis n'hésitez pas à nous aider et à nous dire comment est-ce qu'on pourrait délivrer Yaspooky de cette malédiction. Eh oui, on compte sur vous. Allez, sur ce, on vous fait plein de gros bisous. C'était moi-même, Sim Spooky. Allez, ciao.